Allez, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Mario Plus la paix Crété Kingdom Battle. Et c'est le moment de continuer notre aventure. La dernière fois, on a terminé le monde 1-3 et maintenant nous allons entamer le monde 1-4. Mais avant tout, je tiens à vous montrer quelque chose. En appuyant sur X, on peut accéder au QG de combat n'importe où, n'importe quand. C'est super cool, n'est-ce pas? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà acheté une arme pour mon cher... Rabbit Luigi, ouais, Lapin Luigi. Alors j'ai acheté ceci, avant j'avais ceci, c'était dégueulasse en maudito. Mais maintenant j'ai ça, et qu'est-ce que ça fait? Regardez ça. Contre les bandits bois. Augmente les chances de déclencher le super effet de cette arme contre ce type d'ennemi. J'ai 30% de chance d'activer le super effet contre les bandits bois. Bandits bois, 30% de plus plutôt. Et là, c'est quoi le super effet? C'est ceci. L'incinération en flamme, la cible pour lui infliger davantage de dégâts, peut se propager d'un combattant à l'autre. Ça, c'est super cool. En plus, j'ai déjà 30% de chance que ça arrive, voyons donc. Il y avait cette arme qui était bonne, mais honnêtement, celle-là était meilleure. Ça coûtait 20$ de plus, là, mais bon. Anyway, pas le temps de niaiser, on continue la partie. J'avais pas assez d'argent pour acheter une arme pour Peach, c'est vraiment dommage, mais c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Nous devons absolument arrêter le lapin crétin qui possède le casque de superfusion avant qu'il ne provoque d'autres catastrophes. Tiens, voici un nouveau message de notre ami mystérieux, je vais vous le lire. Félicitations, Bipo, vous avez mené votre équipe dans la tourmente et traversé des épreuves dignes de l'Odyssée. Enfin, quelqu'un qui... Attends, désolé. Enfin, quelqu'un reconnaît le mérite qui m'est dit. Hey, vous avez vu Mario? Bien entendu, nous le devons surtout à Mario et à vos amis, Lapin Crétin, dont vous aviez sous-estimé les talents au combat. Oh mon dieu! Oui, bon, mais tout comme dans l'Odyssée, d'autres tempêtes nous attendent. C'est pourquoi je crois qu'il est temps de mettre de nouveaux outils à votre disposition. Oh! Ok, c'est bon. Ainsi, en plus de pouvoir se déplacer et tirer sur ses ennemis, chacun d'entre vous pourra désormais réaliser une action supplémentaire au cours du combat. On a 3 actions maintenant! À Mario, je confère le don de regard héroïque que, une fois activé, ce pouvoir lui permettra de frapper les ennemis à portée, même en dehors du déroulement normal des tours! What? Ah. Ok, on va le tester, on va voir. À Lapin Peach, j'accorde le don de bouclier, ce pouvoir annule la plupart des dégâts dus aux armes. Mais t'es invincible alors! What? À Lapin Luigi, je donne la super barrière, elle protège des super effets ennemis et peut aussi réduire les dégâts subis. J'ai compris, les lapins crétins sont des boucliers et Mario est l'arme. L'épée! Pour savoir comment utiliser efficacement ces dons, je vous invite à les essayer par vous-même. Vous en recevrez d'autres à l'avenir, je l'espère. J'ai tellement mal lu ça, je suis vraiment désolé. Dans l'attente de vous rencontrer, votre plus grand fan. C'est moi le plus grand fan. Ouais, j'adore tous ces personnages. Ah, en tout cas, notre allié anonyme a le don incroyable de trouver des solutions adéquates au moment opportun. Il s'agit clairement d'un fin stratège. C'est sûrement ton boss, mon gars. Ouais. On y va les boys, on a entamé la mission 1-4, le niveau 1-4, la mission 1-4. Qu'est-ce que je dis là? Voyons donc. Vaincre tous les ennemis. Regardez donc ces blocs suspects, ils portent un symbole de super effet que l'on retrouve sur la plupart des armes. Ils ont l'air prêts à exploser, évident d'utiliser les armes si nous sommes proches de... est-ce que c'est moi ou il y a des rabbits qui se cachent derrière ces... C'est comme vous voulez, man. Bon, anyway... Est-ce que je devrais utiliser ça tout de suite? On va tenter le coup. Oh, je deviens Super Saiyan, oui! On va aller là. Attendez, regardez la description, c'est écrit « Quand déclencher dégâts d'armes 20-28 ». C'est bon. J'ai pas remarqué un changement de dégâts. C'est sûrement lorsque c'est pas mon tour et quelqu'un essaie de m'attaquer, moi je peux attaquer quelqu'un et ça fait 20-24 dégâts. Quelque chose comme ça, hein? Ouais, c'est sûrement ça. Anyway, on va aller là. Ouais, ça change pas les dégâts de mon arme principale en fait. C'est pas un bonus de dégâts. Là, non. Tu sais quoi? On va essayer de faire kaboum! Wow! Ok! Ouais, t'as raison de poser comme ça, ma belle! Donc, réduction de dégâts d'armes 40%. Go. Et là, c'est quoi? Lui là? On va faire en sorte? Attends, est-ce que je peux? Comme ça. C'est pas. Attends, oh. On va tenter quelque chose. On va tenter de faire une petite attaque latérale. Voir si ça pète le bloc. Je crois pas que je pourrais taper le bloc là.
Attends. Ouais, je crois pas que ça va taper. Ouais, ça devrait taper le bloc, hein. Oh! Ah ben... What? Ok, c'est ça. C'est le truc de... Ah, oh, il attaque quand c'est pas son tour. Mais est-ce que c'est aléatoire ou... Je sais pas, mais on verra. Plus on va l'utiliser, plus on va comprendre comment bien l'utiliser. Merci, bouclier. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait juste annuler les super effets, mais pour la... ça fait en sorte aussi que... attendez. Ok, je peux juste les utiliser à chaque deux tours. Ok, c'est ça. Donc, immunité au super effet, mais il me semble aussi c'est écrit... ça réduit un peu les dégâts de je sais pas quoi, comme les dégâts normaux, non? Il me semble que oui. Anyway, oh, fuck, je peux pas sauter sur quelqu'un pour me rapprocher d'eux. Si je vais là... Non. Ok, vous savez quoi? On va aller là. On va gunshot. Ouais. On va péter le mur. Ben, le bloc. Ouais. En trois coups, ça se pète, je pense, hein. Oh. Si je vais là. C'est peut-être pas une bonne chose. Damn, ça. Ok, on va y aller. On va y aller. Gunshot. Dans sa gueule, oui. Man. Qu'est-ce que je vais faire, c'est faire ça comme ça. Aller derrière lui et le gunshot. Je peux pas. Ok, c'est parce que c'est sa position. Je suis vraiment désolé. Gunshot. Bow. Good night. Tu oses t'enfuir comme ça, mon gars. Ok, attendez, tu crois vraiment que je vais te laisser partir, mon gars? Ici? Ah, je peux... Attends. Si je vais là, direct, après, je peux me déplacer. Oh, bam, voilà ce qu'il fallait faire. N'oublie pas de le gunshot, mon gars. Brûle ce mec. Incinération, yes. Bon, on l'a fait en 3 tours sur 4. Perfecto. Oh, on me heal pas. Non, aucun heal. Vraiment dommage. Bon, ok, il n'y a rien sur ce terrain. On peut partir. Let's go. Vaincre tous les ennemis. Ok, c'est étrange. On dirait qu'il n'y a que 2 de ces blocs marqués par les lapins crétins. Mais mes capteurs en détectent que 4. Attention, certains blocs sont peut-être déguisés en blocs normaux. Oh! Ok, ce sont les blocs tout au fond, hein? Sûrement ces deux-là. Ouais, c'est sûrement ces deux-là. Ok, c'est bon, bataille! Là, tout d'abord, on va massacrer. Je me demande si je... Comme... Si je suis ici, est-ce que ces blocs peuvent, comme infliger des dégâts? Je ne sais vraiment pas, mais bon. Allez, let's go! Pour l'instant, je vais activer ça le plus possible pour bien comprendre comment ça marche. Est-ce que j'attaque après, comme, est-ce que Mario attaque après qu'un autre personnage, un autre allié l'attaque? Comme, attaque un ennemi, comme, je sais pas, mais en tout cas, je sais que j'ai tellement mal dit ça, mais bon, anyway. Ça, est-ce que Mario attaque après que j'attaque avec un autre allié? Est-ce qu'il attaque comme, vraiment aléatoirement? Il attend une bonne occasion? Je sais vraiment pas, mais bon. On va activer le bouclier aussi. Ouh, c'est un peu dangereux ce que je vais faire, hein? Mais on va le faire, let's go. J'ai rien qu'à activer mon bouclier et ça va être Tigidou. Wow, vise un peu plus haut, mon gars. Ma fille, c'est pas comme si l'ennemi se cachait, voyons donc. Oh! Ok, dès que quelqu'un est là, ok, dès que quelqu'un s'approche de mon rayon d'attaque, bam, quand c'est le tour ennemi. Ah non, c'est pas obligé d'être le tour ennemi. En tout cas, dès que quelqu'un est sur le rayon, ok, ouais, je comprends. Même si tu me touches, ça fait quasiment rien, mon gars.
Ça fait des dégâts? 21 pour vrai? C'était pas une protection contre les armes normaux? Normales, pardon, une arme. Attends, bam. Là, on va se diriger. Ici. Ok, one down. Good. Je crois que je vais tuer le gars qui se cache derrière le tuyau tout d'abord, hein? Wow, ok, non, c'est pas trop possible. Ok, on va faire ça comme ça. Ok, lui. Voilà comment il faut shooter la pépite. Oh, j'aurais dû me diriger un peu plus à gauche, comme ça j'aurais pu faire un saut. Fuck my life, man. Let's go. Attendez le coup. Tu l'as eu! Oh yes! Non. Il s'est enfui? Ah, je crois que je pourrais péter ce bloc, hein? Mais il y a d'autres petits blocs qui... Si je me dirige là, j'essaie de le toucher. Ça va toucher le gros bloc selon moi. Ici, ok, on va tenter le coup ici. Le gros bloc est un gros kaboum. Ok, il faut faire ça deux fois. On va se déplacer là alors. On va voir si Princess Peach, la paix Peach, va se faire toucher par l'explosion. Ok, c'est vraiment seulement ceux qui sont à proximité de l'endroit qui peuvent se faire toucher. C'est bon. Et là, si je vais là... Gotcha! Au moins maintenant, je sais qu'il faut comme toucher le truc deux fois avant de le faire exploser. Lui, c'est ça à 100% qu'il meurt. Bon, je vais juste me déplacer là. Kaboum! Zygone shot, réussi! Maudit! Qu'on est bon, oui! Non, c'est pas vrai là, mais bon, il faut s'encourager un petit peu. Yes! Trophée d'or! Merci beaucoup! La récompense 400$. Là, je peux acheter une petite arme à Peach. Peacherino? Peach, ok. Je peux juste acheter ça. Ça va faire en sorte qu'il y ait des dégâts de miel. De 10% à 10%. Ouais, mais bon, c'est mieux que rien. Peut-être que j'aurais dû garder mon argent aussi, hein? Je vais sûrement débloquer des personnages bientôt. Alors, ce qui est fait est fait. Ok? Pourquoi? Ok, ok, je comprends, c'est un maze. Un labyrinthe. What the fuck? Je peux pas. Ok, il faut activer quelque chose. Attendez. Oh. Un dévouement exemplaire, il ne se contente pas de tenir la bajo, il est la lampe. La belle fusion qu'on a créé, bien sûr. Oh, ok. Oh. Ah, ok, voilà. Bam. Je me demande s'il y a des trucs cachés dans... dans ce territoire. Comme vraiment caché. Bon, du bois champêtre, tu as trouvé un nouveau modèle 3D. Merci beaucoup. On va partir d'ici. Oh, man! C'est où le bon chemin? Oh! Oh! Oh, come on, les amis! Yo, vous abusez un peu, non?
1. Fuck! 2. 3. J'espère que j'ai pas un temps limité pour aller chercher les pièces. D'habitude, dans les autres jeux de Mario, on a un temps limité. 6. 7. 8. Là, il faut que j'aille chercher ça. C'est une arme! Pour qui? Pour Luigi, selon vous? Arc-en-ciel. Quand cet arc-en-ciel est de sortie, c'est la raclée pour l'ennemi. Non, c'est une arme pour Peach. J'aurais pu attendre. Attends, cela veut dire que maintenant, je peux acheter une arme pour Peach? Ben, la paix Peach. Gaspillé 500 pièces d'or pour ça. J'aurais pu attendre un tout petit peu. Gaspiller 20 pièces de plus. Ok, là. C'est bon. Donc, il y a deux chemins à prendre. Un pont là et un pont là-bas. Là, je peux pas vous le montrer parce que je peux pas très comme bien bouger la caméra. Mais bon, c'est pas grave. 5. J'entends Mario. C'est qui crie comme un fou? Mais attendez une seconde! Puisque ça c'est le bon chemin... Oui, ok, on va quitter. Donc si... Puisque ça c'est le bon chemin, c'est le chapitre 1-5. Ben chapitre 1-5. Monde 1-5, on va aller l'autre côté. Il y a sûrement un secret pour nous. Oh, come on! Là après je vais tout en haut, ensuite à gauche. Ça va être Tigidou. Je suis vraiment désolé pour tout ce contretemps là, mais peut-être qu'il y a quelque chose de secret, hein? On sait jamais. Arrêtez vous deux, vous allez vous faire mal. Ça change pas grand chose, hein? Hein? What? Quoi, je suis venu ici juste pour ça? Oh, c'était juste pour des pièces, come on! Moi qui croyais qu'il allait avoir un coffre ou quelque chose comme ça. J'ai complètement perdu mon temps et votre temps. Je suis vraiment désolé, mais ne vous en faites pas, on va se reprendre. Je crois qu'on peut passer la petite cinématique du début, hein? Ouais, let's go! Vaincre tous les ennemis! Cette fois, nous sommes sur un terrain surélevé par rapport à nos ennemis. Savez-vous que vous gagnez un bonus de dégâts quand vous attaquez d'au-dessus? Je ne savais pas, moi. Tirez sur un ennemi depuis cette position avantageuse et voyez par vous-même. Double de dégâts. Ok. Je me demande... Ok, j'ai une idée. On va utiliser... Shit, seulement 50% de toucher le monde. Comme ça ici. On va utiliser ça. Ah. 42. Ok. Je crois que je vais me déplacer là. Ouais. Comme ça, je peux attaquer quelqu'un d'autre après. Ouais. Comme ça. Let's go. J'aurais peut-être dû le faire avec Peach, hein. Mais bon, je veux pas envoyer tout le monde en bas non plus. Voilà. La magie! La magie! Maudit que t'es pourri, mon gars! Bah, voilà comment il faut shooter! Comme Mario, mon gars! Et c'est terminé! C'est bon! Il y avait un autre bonhomme ici, je savais même pas. Oh! Là, il y a deux. Oh, ça, c'est no good! Ça commence à aller mal, hein? Bon, je crois que je vais utiliser Peach tout d'abord. Hein? J'espère que tu pourras tuer one shot, s'il te plaît, man. S'il te plaît. J'ai 50%. Non, j'ai 40% de chance de le tuer one shot.
c'est bon. Ok, lui, il va mourir. Non, j'ai pas un moyen de l'achever. Fuck! Si je vais ici... Non, je peux pas. Ok. On va faire ça comme ça. C'est bon. Je voulais me cacher quelque part d'autre, mais ça marche pas. En fait, ça marche. C'est juste que je pourrais pas tirer sur mon ennemi après. Yes! Incinération! Oh! Maintenant, j'ai le champ libre pour faire de quoi, hein? Ouais, ok, on va l'attaquer. Attendez, comme ça. Non. Ok, voilà, bah. Là, on se déplace où? Ici? Ouais, ok. Pour l'instant, ça va bien. Waouh, il se déplace loin. Mais il est venu juste là pour se faire tuer. Really? On va utiliser Princess Peach pour faire boum et ensuite aller là. Bye bye, bon voyage. Bim. Bravo, tu es un boss. Maintenant il reste seulement un bon amateur. Elle a fait un double kill, il faut l'avouer que c'est fort. Boum! Combien de dégâts j'ai pris à cause de ça? J'ai envie de savoir. Oh, j'ai terminé en 3 tours sur 6. Nice, nice. Merci, merci. Je sais que je peux le terminer en plus de tours si je veux, mais c'est juste pour les bonus. Je veux les bonus. Merci pour cet argent, les boys. Alors, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!